Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voilà ce que j'ai reçu pour cette dame qui demande à parler à son mari. Bien qu'il y ait deux, trois messages incompréhensibles, voilà les premiers que j'ai pu comprendre. Donc, la réponse est directement oui, hein, qu'il est bien présent. Que vous devez garder l'espoir. Que vous avez un esprit magnifique. Attendez, ce n'est pas tout. Vous avez reçu de beaux messages. Je comprends aussi quand je demande qui est la voix de la dame que j'entends, enfin de la jeune fille. Je comprends Christelle, mais c'est très très bas. D'autres, mettez le casque. Car si vous n'avez pas l'oreille prête, ce n'est pas évident à entendre. Quand je demande s'il est bien, il me répond, je suis en haut. D'autres, il est monté. Je crois qu'il est monté. Il vous dit d'avoir du courage, bien sûr, et de garder l'espoir. Que Dieu veille sur vous. Merci. Bonne écoute. Je mets la bande telle que je l'ai enregistrée. C'est la troisième bande que j'enregistre, car les autres voix n'étaient pas très claires. Donc, je le mets et quand j'entends un mot, je vous le dis. Enfin, une réponse correcte, du moins. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci à tous. Bonjour, monsieur Nenu. Avez-vous un message pour Magali, votre femme, s'il vous plaît? Merci mes anges, merci mes guides. Bonjour, monsieur Nenu. Avez-vous un message pour Magali, votre femme, s'il vous plaît? Merci, mes anges. Merci, mes guides. Bonjour, monsieur Nenu. Avez-vous un message pour Magali, votre femme, s'il vous plaît? Merci, mes anges. Merci, mes guides. Bonjour, monsieur Nenu. Avez-vous un message pour Magali, votre femme, s'il vous plaît?
Merci mes anges, merci mes guides. Bonjour, monsieur Nenu. Avez-vous un message pour Magali, votre femme, s'il vous plaît? Merci, mes anges. Merci, mes guides.